tous, bienvenue sur le plateau de On vous dit pourquoi. Bonjour Jérôme. Bonjour Églantine. Vous le savez, les Français ont toujours été passionnés par l'histoire. Eh bien cet après-midi, nous consacrons notre émission à l'archéologie et aux techniques scientifiques qui permettent de faire renaître notre passé. Des techniques qui sont en train de bouleverser l'archéologie traditionnelle et qui nous permettent de formidables voyages dans le temps. La construction de châteaux forts en utilisant les techniques de l'époque. La visite de monuments pourtant détruits depuis longtemps, visite grâce aux technologies virtuelles. La reconstitution de combats de gladiateurs ou encore une enquête sur les circonstances de la mort d'un homme vieux de plus de 5000 ans. La science semble capable de remonter dans notre passé. Regardez notre sommaire. Construire un château fort à l'aide de techniques retrouvées, c'est le pari fou de bâtisseurs hors normes. Les scientifiques sont venus à leur rescousse. Marcher dans une villa romaine, dont il ne reste pourtant que quelques ruines, c'est désormais possible grâce au progrès de la reconstitution virtuelle. Une vraie machine à remonter le temps. Les gladiateurs étaient-ils des barbares sanguinaires ou des sportifs de haut niveau? Nous avons suivi le travail d'une équipe d'archéologues qui reconstitue les combats à l'identique. On l'a surnommé Hibernatus, il est mort il y a plus de 5000 ans. Étudié par les scientifiques du monde entier, il a livré bien des secrets, mais reste une énigme passionnante. A-t-il été assassiné? Regardez, nous sommes installés là dans la reconstitution d'une tente médiévale, c'est-à-dire une tente utilisée il y a 7 siècles en France, pendant la guerre de 100 ans par exemple. C'est joli, non Jérôme? C'est ravissant. Eh bien cette tente, ça n'est rien en comparaison avec l'expérience qui est en cours depuis 1997 en Bourgogne. Vous y verrez le site d'une ancienne carrière sur lequel une équipe de passionnés s'est attaquée à la construction d'un véritable château fort. C'est vrai, gentes dames églantines, à main nue ou presque, en tout cas à l'aide d'outils, d'engins et de techniques retrouvées par les archéologues. Ça fait 7 ans que la première pierre du château de Guédelon a été posée. 220 000 personnes visitent ce chantier médiéval chaque année. Vous y êtes peut-être déjà allé. Mais ce que vous savez sans doute pas, c'est que chacun des gestes des bâtisseurs d'aujourd'hui est l'exacte reproduction de celui des artisans de l'époque. Et ça, c'est à la science qu'on le doit. Comment construire un château fort à l'identique? C'est un reportage de Vincent Châtelain. La forêt à perte de vue. Nous sommes au nord de la Bourgogne, dans l'Yonne précisément. C'est ici que se trouve un chantier unique au monde, la construction d'un château fort du Moyen-Âge. Nous sommes pourtant bel et bien en 2005, mais depuis 8 ans, une poignée de passionnés a remonté le temps jusqu'au XIIIe siècle pour construire le château de l'imaginaire seigneur de Guédelon. Guédelon, c'est un projet d'archéologie expérimentale unique au monde. Ici, 35 personnes reproduisent un château fort moyenâgeux. Ces maçons, charpentiers, forgerons tentent de retrouver les techniques et les outils de l'époque. Une tâche difficile car les documents écrits moyenâgeux sont extrêmement rares. Seule solution pour reconstituer ce puzzle, se mettre réellement à la place des bâtisseurs du Moyen-Âge. Ils sont carriers, tailleurs de pierre, maçons, cordiers, forgerons ou charpentiers. Ils utilisent les techniques et les outils de l'époque pour retrouver les gestes du Moyen-Âge. Guédelon, c'est un chantier qui permet aux scientifiques de comprendre comment on bâtissait les châteaux au Moyen-Âge en se replaçant dans la même situation avec les mêmes moyens. Jacques Moulin est architecte en chef des monuments historiques. Il est l'un des initiateurs de ce projet. Pour être réaliste, il a même imaginé le commanditaire de cet édifice. Il s'agit donc d'un château d'un seigneur local, il ne s'agit pas d'un château royal, mais d'un seigneur local ambitieux, fortuné, capable de mener sur une vingtaine d'années la construction d'un édifice, comme il y en a guère qui subsiste dans la région. Une fois ce scénario validé, il a fallu décider de la forme du château. On imagine les scientifiques se basant sur de vieux documents retrouvés dans les ruines des châteaux forts? Eh bien, pas du tout. Aujourd'hui, on en arrive réellement à penser que des chantiers importants au début du XIIIe siècle ont été menés sans plan, selon un rapport direct entre le concepteur et les équipes qui réalisaient ces travaux sur place. À Guédelon, ça se passe exactement comme ça. Tous les matins, Lionel, le maître d'œuvre, transmet ses ordres à ses ouvriers sans aucun document écrit.
Il y a un poste clé pour nous qui est important et sur lequel il faudrait mettre toutes les équipes à partir de ce week-end et de la semaine prochaine. C'est le poste qui était commencé du raccordement de la courtine est, du mur en fait est du château, avec la tour maîtresse. Ici, le travail ne manque pas. Regardez où en est le chantier après 8 ans de construction. Seule la base des murs est achevée. Et voici maintenant à quoi il ressemblera une fois terminé. Un château austère avec des murs de 3,5 mètres d'épaisseur et un donjon qui culmine à plus de 28 mètres de haut. Comme il n'existe pas de plan de château du Moyen-Âge, pour construire Guédelon, on s'est inspiré d'un château du XIIIe siècle qui se trouve dans la même région, à 5 km de là, le château de Ratilly. Pour l'un comme pour l'autre, la matière première, c'est la pierre. Et au Moyen-Âge, l'un des postes clés, c'est celui des tailleurs de pierre. Pour savoir quels outils ils utilisaient, il a fallu se plonger dans les archives. Voici des scènes de chantier reproduites sur des enluminures, c'est-à-dire des gravures illustrant des livres d'époque. Mais ces documents sont peu détaillés. Alors, pour connaître la forme exacte de ces outils, le meilleur moyen, c'est l'analyse des pierres taillées. On a su identifier les outils utilisés pour tailler la pierre grâce aux marques laissées par ces outils sur la pierre. Là, en l'occurrence, on voit une broche à l'action. Donc la broche, c'est cet outil-là, et ça laisse des impacts, dits punctiformes, des tout petits coups qui permettent de dresser la face. L'autre outil important, c'est le ciseau, qui permet de dresser tout le contour d'une face. Et le ciseau se reconnaît aux traces très parallèles, relativement courtes, voilà, qu'on trouve sur tout le contour. Incroyable! Ce sont avec ces simples outils que les tailleurs réussissaient à former des voûtes aussi précises que celles-ci. Comme on l'a vu, l'outillage est quand même assez rudimentaire et c'est la précision du geste, l'expérience du tailleur et la précision des tracés qui permet avec des outils simples de faire des ouvrages complexes et qui ont l'air d'avoir été réalisés avec tout un outillage sophistiqué. En fait, il n'en est rien. Voilà pourquoi il fallait parfois plusieurs jours pour chaque pierre. Mais si pour ériger un mur, il faut des pierres, il faut aussi du mortier. Et là, ça se complique. Le mortier, au Moyen-Âge, c'est de la chaux, de la terre et du sable que l'on mélange avec de l'eau. Mais pour savoir exactement quel mortier on utilisait au XIIIe siècle, eh bien, il a fallu comparer ce mortier-ci à celui que l'on a trouvé dans un château de la même époque. Construit au Moyen-Âge et parfaitement conservé, le château de Ratilly est le meilleur modèle possible pour Guédelon. Anne Beau est archéologue. C'est elle qui a fait les prélèvements du mortier vieux de 7 siècles sur un mur du château que l'âge fissure peu à peu. Alors, le prélèvement qu'on fait ici à Ratilly, c'est vraiment pour essayer d'aller plus loin dans la connaissance des mortiers médiévaux, d'une part, donc c'est pour qu'ensuite on puisse l'analyser en laboratoire. L'analyser en laboratoire et le comparer à celui de Guédelon. Objectif ? Vérifier si finalement les choix qu'on a fait à Guédelon pour la fabrication du mortier sont au plus près de ce qu'on faisait au Moyen-Âge. Nous sommes à Lyon, dans un laboratoire du CNRS. C'est ici que les structures des deux mortiers sont analysées. Nadia, tiens. Nadia Quentin est archéomètre. Pour visualiser la composition minéralogique des mortiers, elle utilise un microscope avec un filtre spécial. Grossi 40 fois, voici le mortier du château de Ratilly. Et maintenant, à droite, le mortier de Guédelon. Les similitudes sont très nombreuses. On se rend compte qu'en fait, on a affaire à un sable de même nature minéralogique que celui qu'on a vu précédemment. Et on se rend compte également qu'il y a peu de liants utilisés, et on a très peu affaire à très peu de chaux, et qu'on a un sable très compact. On peut tout à fait en conclure que les deux sables utilisés pour la fabrication de ces deux mortiers proviennent d'une même source et probablement d'une même région géographique. Grâce à ces analyses, les scientifiques confirment donc que la composition du mortier fabriqué à Guédelon est presque la même que celui de Ratilly, qui date réellement du Moyen-Âge. Guédelon, c'est comme un laboratoire à ciel ouvert. Grâce à l'archéologie expérimentale, les spécialistes vont de découverte en découverte. Une des plus grosses découvertes que l'on a faites avec le chantier de Guédelon, c'est qu'est devenue crédible la construction rapide des monuments.
aujourd'hui, avec des carriers bien rodés, avec des tailleurs de pierre et des maçons bien rodés, on construit des murs extrêmement rapidement, de manière extrêmement solide. Ça, avant, personne ne pouvait le croire. Aujourd'hui, on l'a expérimenté, ça marche. Mais en plus des artisans très expérimentés, on utilisait aussi d'étonnants engins de chantier. Philippe, t'es prêt ? Prêt. On enlève les freins. Philippe, marchez ! Voici la cage à écureuil, un système de poulies relié à une grande roue entraînée par un homme qui marche à l'intérieur. Il permettait de gagner du temps et d'employer le moins d'hommes possible pour hisser les blocs de pierre. Ce qui est rare au Moyen-Âge, c'est la main-d'œuvre. Si l'on invente des engins pareils, c'est pour optimiser la main-d'œuvre et pour mettre le moins de gens possible pour la construction d'un édifice. Au début du Moyen-Âge, la France ne comptait que 16 millions d'habitants. La main-d'œuvre était rare et les engins permettaient de tenir les délais. C'est notamment grâce au dessin de Villard de Honnecourt, témoin privilégié de l'architecture du XIIIe siècle, que les charpentiers ont pu reproduire la cage à écureuil. Le bois servait aussi à monter les échafaudages et les charpentes. Quand on construisait un château fort au Moyen-Âge, la forêt alentour était vite déboisée. Mais alors, avec toute cette débauche de moyens techniques et humains, combien de temps fallait-il pour construire un château comme celui de Guédelon ? C'est comme aujourd'hui, plus on avait d'argent, plus on construisait vite. Pour construire un château comme Guédelon, les délais sont très variables. Si vous êtes le roi de France, vous avez tous les moyens du pays à votre disposition. En 4 ans, 5 ans, un chantier pareil est terminé. Si vous êtes un seigneur qui a des bons moyens, en 20 ans, vous menez un chantier pareil. Si vous êtes une famille, comme il y en avait à travers tout le territoire, vous mettez 2 ou 3 générations pour le faire. Ça ne change rien à l'ambition du projet, c'est sa faisabilité qui dépend de vos sous. En passant des simples plans à la réalité de la construction, Guédelon s'est imposé comme un outil indispensable pour comprendre le Moyen-Âge. On a posé la première pierre du château de Guédelon en 1997. Si tout va bien, le château sera terminé en 2023. C'est-à-dire 26 ans de travaux et de recherches qui permettront aux archéologues de remonter le fil de l'histoire. Cette science appliquée devrait, dans les années à venir, nous livrer enfin le secret de la construction des châteaux forts. Voilà une histoire absolument formidable. Bien moi, Jérôme, je me verrais bien comme ça, tout en haut d'un donjon. Vous arriveriez sur votre fidèle destrier et vous partiriez après en croisade. Je partirais aux croisades, je viendrais vous enlever dans votre citadelle, chère Églantine. Ah, mais encore faudrait-il pouvoir, Jérôme. Mais c'est pas grave, je siège à votre château. J'ai justement avec moi un spécialiste, Messire Vincent Châtelain. Sérieusement, c'est vous qui avez réalisé le reportage qu'on vient de voir. Vous avez vu les plus grands spécialistes. Comment on faisait à l'époque pour assiéger les châteaux? Déjà, à l'inverse de ce que l'on pense, on n'encerclait pas le château, on se positionnait devant la porte, qui était la partie la plus fragile. Ensuite, il suffisait aux assaillants d'installer leurs armes de guerre, comme celle-ci, ça s'appelle un mangonneau, c'est l'ancêtre de l'artillerie moderne. Cette reproduction nous a été prêtée par l'association Bourgogne médiévale. C'est l'échelle 1/4, donc dans la réalité, ça mesure 20 mètres de haut. 20 mètres de haut. C'est de la famille des catapultes, le principe est très simple. Un contrepoids ici, qui dans la réalité peut peser plusieurs tonnes. Il est rempli de quoi? De pierre? De pierre, de ce qu'il y a de plus lourd, en général de pierre. Et à l'autre bout, regardez, une corde au bout de laquelle il y a un filet dans lequel on met un boulet. Ça va faire fronde. Ça va faire fronde, exactement, un effet de fronde, ce qui veut donc dire que ce boulet va être projeté à 150 mètres environ, avec une précision d'une dizaine de mètres. Du mangonneau, on est passé à ceci, le trébuchet, qui fait également 20 mètres de haut, qui est beaucoup plus précis. Pourquoi? D'abord parce que ce poids, ce contrepoids, est 3 fois plus important que celui-ci. 18 tonnes, en plus il est mobile, donc le mouvement est plus fluide. Le bras est beaucoup plus long, donc vous imaginez bien que l'effet de fronde est plus important. Ça va beaucoup plus loin. Ça va plus loin, 220 mètres environ, avec un boulet qui est projeté à la vitesse de 200 km/h. 200 km/h, effectivement, même la plus grosse citadelle a du mal à résister. Oui, tout à fait. C'est déjà très lourd, ça. Mais c'est pas ça qu'ils mettaient dedans, c'était des boulets qui pesaient 100 kg. Ah, vous ne pourriez pas les porter. Et pas seulement des boulets. Ah. Pas seulement des boulets. Le pire, c'est que parfois, on positionnait ici des cadavres qui avaient soit la peste, soit la dysenterie. On les envoyait à l'intérieur du château pour contaminer l'ensemble des assiégés. C'est en quelque sorte les prémices de la guerre bactériologique.
On envoie du virus chez l'ennemi. Tout à fait. Dites-moi, Jérôme, c'est magnifique quand même, ces gros boulets. Il y avait des gens qui se spécialisaient dans ce travail-là? Il y avait des tailleurs de boulets qui passaient leur journée à tailler des boulets qui pesaient une centaine de kilos environ. Comment est-ce que vous savez tout ça? Comment est-ce que vous êtes sûr de la véracité de vos dires? Parce que vous n'étiez pas né à l'époque. Non, j'étais pas né. En plus, le problème, c'est que ceux qui construisaient ces armes de guerre gardaient jalousement leurs secrets pour qu'on leur commande uniquement à eux. Il n'y avait pas de plan. Donc, il n'y a pas de plan, très peu de plan. Donc, il y a des chercheurs qui ont retrouvé des factures de transport du Moyen-Âge de ce type d'armes de siège où tout était détaillé, toutes les pièces de bois. Ils ont donc ensuite essayé de refaire le puzzle. Voilà, exactement, un peu un casse-tête chinois. Et grâce à quelques dessins, quelques enluminures, on a réussi à reproduire au final ce type d'armes. Merci beaucoup, Vincent. On va poursuivre notre visite des bâtiments historiques. Comme ils ne peuvent pas systématiquement construire à l'identique tous les bâtiments qui ont disparu, eh bien les scientifiques ont mis au point des techniques capables de les faire renaître sur des écrans géants. Des écrans dans lesquels les édifices romains ou égyptiens, par exemple, semblent plus vrais que nature. Regardez, par exemple, je vais aller tout de suite à Rome. Ça va prendre 2 secondes, vous allez voir. Il suffit de quelques mètres pour se retrouver à Rome et surtout quelques siècles en arrière. Vous connaissez le système? Un panneau vert. Toutes les météos du monde utilisent ce système. On va remplacer dans l'image tout ce qui est vert par cette image-là. Par exemple, me voici au Circus Maximus à Rome, construit il y a plusieurs siècles par Néron, entre autres. Vous avez vu là-bas, c'est comme si on y était, c'est comme si vous y étiez. Autre image, hop, toujours le panneau vert. Ici, je me trouve dans les coursives, dans les gradins. Là, en bas de moi, peut-être les gladiateurs en train de se battre. Et je peux passer même derrière les colonnes. Troisième image cette fois-ci, je suis au centre de l'arène. Tout autour de moi, oh là là, peut-être Bénur était en train de faire le tour. Sans doute un endroit qui était réservé aux arbitres et aux very important personnes, aux VIP de l'époque. Autour de moi, 250 000 spectateurs, c'est-à-dire 3 fois le Stade de France. Ce stade, ce Circus Maximus, n'existe plus depuis belle lurette. Et pourtant, grâce à l'archéologie moderne, on peut maintenant faire comme si on y était. Voilà, Eglantine. Évidemment, il y a un truc. Si Jérôme peut se promener dans le plus grand équipement sportif jamais construit et aujourd'hui totalement détruit, c'est que les scientifiques, grâce aux progrès réalisés en matière de reconstitution 3D, sont capables d'incroyables prouesses. Regardez ce reportage d'Hélène Menet. Ce bâtiment antique dans lequel nous nous promenons n'existe pas. Il est le fruit du travail d'une nouvelle discipline, l'archéologie virtuelle. Grâce à elle, on peut remonter dans le temps. Ce site archéologique, reconstitué par une équipe de scientifiques bordelais, semble plus vrai que nature. Il s'agit de la villa de Plassac, en Gironde. Le résultat est surprenant, surtout lorsque l'on sait que les archéologues sont partis de ça. Un véritable champ de ruines, incompréhensible pour un néophyte. Le spécialiste qui a participé aux fouilles et suivi de bout en bout la reconstitution 3D, c'est lui, Jean-Pierre Bost. Pour lui, l'archéologie ne peut plus se passer de restitution virtuelle. Les sites archéologiques, la plupart du temps, sont incompréhensibles pour le grand public. Notre devoir, c'est de les rendre intelligibles, au plus grand nombre. C'est à ce prix-là qu'on sauvera l'archéologie dans l'esprit des gens, il ne faut pas se le cacher. Et je trouve que ce type de reconstitution, pourvu qu'elle soit faite avec le maximum de science, et à ce moment-là, je trouve que c'est un des meilleurs moyens de valoriser la recherche archéologique nationale. À Plassac, on comprend facilement l'intérêt d'une restitution virtuelle. Car on a beau déambuler au milieu de ces murets et de ces fossés, on arrive à peine à distinguer ne serait-ce que les contours de la villa. L'exercice est d'autant plus difficile que gisent sur ce site les vestiges de 3 bâtiments de 3 époques différentes. C'est la villa du 2e siècle qui nous intéresse, car son plan et son architecture rappellent un très célèbre monument romain. Le propriétaire du 2e siècle s'est fait construire un monument à la mode, mais il n'a pas choisi n'importe quoi. Il a choisi tout simplement le plan du palais impérial au Palatin. Et c'est ce qui fait quelque chose d'absolument incroyable que de trouver au fin fond de la province d'Aquitaine un monument de ce type. Et c'est vraiment cette richesse de l'architecture qui fait l'extraordinaire intérêt de la villa de Plassac. Bien que, extérieurement, évidemment, les ruines que l'on peut voir ne disent pas grand-chose aux visiteurs. C'est incroyable, mais il s'agit bien de la réplique du palais impérial situé sur l'une des 7 collines de Rome. Jean-Pierre Bost tient à nous faire faire le tour du propriétaire. Mais sans l'aide de la restitution virtuelle, il faut beaucoup d'imagination. Voilà, ici, nous sommes dans une grande salle de réception
qui est la grande salle par laquelle les invités de marque du IIe siècle étaient reçus par le propriétaire. Il y avait, devant la balustrade qui est là, un immense bassin ornemental qui faisait plus de 50 mètres de longueur, et de part et d'autre de cette grande salle, il y avait des petits salons dont malheureusement on ne voit plus grand-chose aujourd'hui, mais que le gravillon ici permet de retrouver un petit peu parce que nous savons que le marbre est dessous. Et là, c'était des petits salons très richement ornés. Comment les spécialistes ont-ils pu reconstituer la villa de Plassac en 3D ? Il faut essayer de restituer des élévations. Alors pour restituer les élévations, le point de départ le plus simple, là où on a la chance d'en avoir, c'est d'utiliser les colonnes qui sont encore en place ou qui sont encore disponibles. Donc quand on a la colonne, on a déjà une hauteur. Les volumes prennent forme, mais il faut également restituer les décors. Or, les matériaux précieux, comme le marbre, ont été pillés au fil des siècles et aujourd'hui, il n'en reste plus rien à part quelques fragments miraculeusement préservés. Exemple, avec la pièce maîtresse de la villa, une prestigieuse salle à manger. Les artistes, lorsqu'ils avaient fini leur travail de décoration, ne s'embarrassaient pas pour l'élimination des déchets de taille. Ils creusaient un trou dans le sol de la pièce et ils enterraient les déchets dedans. Et c'est de cette manière qu'on a pu récupérer plusieurs dizaines, même parfois plusieurs centaines de petits fragments de marbre qui nous ont permis de savoir d'où ils venaient. Et dont certains étaient même des éléments de décor qui étaient un peu abîmés, donc qu'on avait jetés aussi, qui nous ont permis de savoir par exemple qu'il y avait un décor floral, un décor végétal, un décor géométrique. Après des années de fouilles, les résultats des recherches ont été transmis ici à Ausonius, un des très rares centres d'archéologie virtuelle en Europe. Jean-Pierre Bost a travaillé en collaboration avec un spécialiste de l'image de synthèse pour réaliser la reconstitution 3D de Plassac. Pascal a scanné le plan et les photos des vestiges retrouvés. Il a ensuite construit le modèle comme un puzzle. Mais le problème, ce sont les éléments pour lesquels aucun vestige n'a été retrouvé. Alors, comment faire ? On s'inspire à la fois de monuments qui sont encore en partie ou parfois en totalité en élévation. Et puis, on part également dans la documentation parce que un plan comme celui-là, c'est une solution de présentation monumentale qui a été très à la mode. Et par conséquent, on a des chances de la retrouver appliquée à de nombreux exemples. Et donc, on s'inspire de tout ça, mais il faut partir dans la recherche bibliographique. Exemple, aucune porte n'a été retrouvée à Plassac. Donc là, mais sur les conseils de M. Bost, on s'est basé sur des exemples de Pompéi pour pouvoir restituer quelque chose de plausible. Les portes sont donc les mêmes qu'à Pompéi, et après des mois de travail, voici donc l'incroyable résultat. Les archéologues peuvent enfin se promener dans cette magnifique villa gallo-romaine. Voici même la prestigieuse salle à manger, avec son décor restitué dans les moindres détails. Mais ce modèle n'est pas figé, bien au contraire. Notre travail à nous, c'est de proposer des solutions en disant aux gens, voilà ce que nous proposons, si vous pouvez faire mieux, faites mieux, ça nous intéresse. Pour faciliter le dialogue entre spécialistes, les chercheurs d'Ausonius sont en train de se doter d'un équipement unique en Europe. Un écran géant de 10 mètres sur 5. Grâce à lui, plusieurs scientifiques pourront visionner les modèles virtuels en même temps. Les restitutions peuvent même y être projetées en relief. Les archéologues pourront donc se promener dans le Circus Maximus de Rome comme s'ils y étaient. Alors le modèle va permettre de faire dialoguer une série de chercheurs qui ont chacun leur spécialité. Donc vous allez avoir des archéologues, des architectes, des historiens. Chacun a un peu dans sa tête une image mentale du site 3D tel que lui le visualise. Là, tout le monde voit la même chose et le dialogue en est d'autant facilité. De plus, ces représentations virtuelles peuvent servir de base à une rénovation réelle du site. Lorsque tout un édifice s'est écroulé, grâce à la reconstitution en 3D, on arrive à retrouver la place de chaque pierre. Et lorsqu'il manque une pièce du puzzle, on peut encore aller plus loin. On peut également restituer certaines parties du site, même si on ne les a plus, en utilisant des modèles numériques qui pilotent des robots tailleurs de pierre. Et on va pouvoir faire tailler quelques chapiteaux, éventuellement des sculptures qui sont conservées dans des musées, pour remettre une copie sur le site. Les potentialités d'utilisation de ce modèle numérique sont donc énormes pour les scientifiques. Mais cet archéopole sera également ouvert au public. L'inauguration est prévue pour septembre 2005.
Vous pourrez alors, vous aussi, visiter virtuellement le Circus Maximus ou la Villa de Plassac, une vraie machine à remonter le temps. C'est évident, la reconstitution virtuelle est une véritable révolution pour l'archéologie. Un autre exemple, regardez ça. Ça n'est pas juste un vulgaire morceau de pierre, c'est le fragment d'une colonne qui appartenait à un temple romain. À partir de ce simple fragment, on a réussi à reconstituer le temple romain en entier. Comment est-ce que ça c'est possible, Jérôme ? Les archéologues, sur une fouille dans la Meuse, avaient trouvé entre autres ce fragment de pierre. Difficile de reconstituer, qu'est-ce que c'était ? C'est très simple, on l'a photographié. Plus précisément, on l'a scanné avec cet appareil photo, pas tout à fait comme les autres. Vous voyez le petit laser vert ? En une seconde, il prend 5000 mesures, 35000 mesures en 5 secondes, qui sont ensuite des points, un nuage de points. Chaque point a une adresse, c'est-à-dire qu'il a une position dans l'espace. C'est de la 3 dimensions. À partir de ça, on connaît la courbure et on voit très précisément avec l'informatique comment est-ce qu'elle était. Voilà pour la colonne déjà reconstituée. À partir d'autres éléments, d'autres morceaux, d'autres fragments de pierre retrouvés dans la même fouille, on a pu reconstituer par exemple la pente du toit. Et comme les archéologues connaissent très précisément les mensurations exactes des bâtiments de l'époque, ils ont pu déterminer avec les informaticiens qu'en fait, il s'agissait d'un temple, un temple gallo-romain dont on connaît très précisément aujourd'hui l'orientation, la forme, le volume. C'est un temple gallo-romain qu'on peut voir virtuellement, évidemment. C'est un asium dans la Meuse. C'est quand même incroyable. En tout cas, on comprend que ce type d'appareil soit de plus en plus utilisé dans l'archéologie. Merci Jérôme. Allez, je vous propose maintenant de poursuivre notre voyage dans l'histoire et dans la Rome antique en nous intéressant aux gladiateurs. Voilà des hommes qui ne laissent personne indifférent. Il s'agit presque d'un mythe. Esclaves, hommes de spectacle, mercenaires sans foi ni loi ou encore sportifs de haut niveau, est-ce qu'ils mouraient vraiment dans l'arène ? Et est-ce qu'ils ressemblaient par exemple à ça ? Ça, c'est une maquette, un jouet, c'est une maquette comme on le voit au cinéma ou à la télévision. Mais quels étaient en vrai leur équipement ? Est-ce qu'ils avaient vraiment des règles pour leur combat ? Alors, pour tenter de les cerner au mieux, les chercheurs ont eu une idée toute simple, celle d'associer leur connaissance à celle d'un grand sportif qui excelle dans les arts martiaux, justement. Et ils ont organisé de vrais combats de gladiateurs. C'est un reportage de Franck Gombert. Les gladiateurs. Pendant 800 ans, ils ont tenu en haleine les peuples de l'immense empire romain. Et aujourd'hui, ils font partie des héros classiques du cinéma. Nous croyons tout savoir d'eux, et pourtant, il reste de nombreuses zones d'ombre. Et les a priori sont légion. Alors, pour retrouver la réalité historique dans ses moindres détails, des hommes d'aujourd'hui ont décidé de rentrer à nouveau dans l'arène et de combattre en retrouvant les gestes et les règles des gladiateurs. À leur tête, deux spécialistes. Cela n'a rien d'original. Le premier est un historien de l'Antiquité, il s'appelle Éric Tessier. En revanche, la spécialité du second est bien plus surprenante. Alors, je suis au départ professeur d'arts martiaux, hein, professeur de Jiu-Jitsu, troisième dan de Jiu-Jitsu traditionnel. Et je suis venu par hasard à la gladiature grâce à une rencontre avec un historien. Et je me suis aperçu qu'il y avait un lien très précis entre la gladiature et le monde sportif, en fait. Faire appel à un sportif de haut niveau, pour Éric, l'historien, c'était indispensable. Car il en est persuadé, la gladiature n'était pas une boucherie sanguinaire sans foi ni loi. Ce que nous voulons démontrer, c'est que derrière donc, une apparence que le grand public peut avoir de combat assez désordonné, un peu barbare, entre guillemets, il y a quelque chose qui est très réfléchi, quelque chose qui est codifié depuis de nombreux siècles et qui est un véritable sport de combat. Comment ces hommes sont-ils arrivés à la conclusion que la gladiature était un sport de combat au sens moderne du terme ? Grâce à des techniques de recherche originales mais très efficaces. D'abord, tout part des sources archéologiques. Textes, mosaïques, dessins sur des amphores ou des lampes. Grâce à ces représentations, on a reconstitué l'équipement des gladiateurs. Mais surtout, nos chercheurs ont compris que la première règle, c'est l'équilibre des forces entre les adversaires. Prenons un exemple concret. Le rétiaire à gauche contre le sécutor à droite. Alors, d'un côté, on a un gladiateur qui est équipé de façon légère, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule protection sur le bras et sur l'épaule. Il a à son avantage un filet et un trident. De l'autre côté, pour équilibrer ça, on a un grand bouclier, un protège-tibia
un casque profilé avec une crête qui a le moins d'adhérence possible pour le filet, qui laisse glisser le filet. En plus, il peut donner des coups de tête. Il a une protection d'écailles ou de cuir sur le bras. Hein. Ce n'est pas forcément des écailles métalliques, ça peut être du cuir. Donc, il est très protégé. L'équipement est conçu pour équilibrer les chances de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de choses qui sont mises là pour handicaper l'un face à l'autre et pour privilégier l'un face à l'autre, parce que sinon le combat durerait très peu de temps, il n'y aurait pas d'émotion, il n'y aurait pas de sensation, et ce serait toujours le même équipement qui gagnerait. Et quel intérêt à avoir un match de foot quand on connaît déjà le vainqueur, hein, y a moins d'intérêt pour le public. L'équilibre des forces entre les adversaires, c'est la base de toute compétition sportive. Voilà pour l'apport des sources archéologiques traditionnelles. Restait à savoir comment ils se battaient. Personne n'ayant retrouvé de manuel du parfait petit gladiateur, une solution s'imposait, reconstituer les combats. Et c'est là que la présence de Brice, le champion d'arts martiaux, prend toute son importance. Reprenons l'exemple des rétières, avec filet et trident, contre des sécutors, avec leur grand bouclier. Un combat à deux contre deux commence. Ouvrez-les ! Alors que les équipements sont équilibrés, l'affrontement tourne vite à l'avantage des rétières. Pourquoi ? Pour Brice, la réponse est évidente. Les sécuteurs n'utilisent pas leur équipement comme le faisaient les gladiateurs. Si je prends le bouclier que je l'ai là, et que lui prend son trident, ici, son visuel, il est là. Il ne sait pas, quand je vais le tendre, jusqu'où je vais. Pour me toucher, il va donc frapper et... Quand il va voir qu'il n'est pas assez puissant, il va légèrement s'avancer pour être plus puissant. Si au moment où il va légèrement s'avancer, que moi regarde. Juste en tendant, je vais l'obliger à reculer. Je suis prêt, je vais là, je vais protéger. Bam, bam, bam. Dès que je vais sentir la percussion là... Pour que le combat soit équilibré, le grand bouclier n'était sans doute pas utilisé uniquement pour se défendre, mais aussi comme une arme. Cet exemple montre clairement que sans l'expérimentation, c'est tout un aspect de la gladiature qui resterait dans l'ombre. Reste que si c'était bien un sport, la violence, le sang versé, serait inacceptable dans nos sports modernes. Nos chercheurs sont obligés d'utiliser des armes non tranchantes. Mais là encore, pour Brice, les apparences sont trompeuses. Il n'y a pas, ou très très peu, des stocks. On ne rentre pas 10, 15, 20 cm de lame à l'intérieur du corps de l'adversaire. C'est ça toute la différence. Parce que c'est de la taille. C'est toutes des attaques en taille. C'est impressionnant parce qu'on le voit hein, sur certaines fresques ou sur certaines mosaïques, le sang coule beaucoup. Mais comme quand vous vous rasez le matin, quelle épouse n'a pas dit « Oh, tu t'es égorgé ce matin, t'as plein de sang partout. » Voilà, on se rase, on se taille, on a du sang qui coule pendant quelques minutes. C'est impressionnant, mais on n'en est pas mort pour autant. Grâce à l'expérimentation et à la forme des armes, nos spécialistes sont sûrs que le but n'était pas d'atteindre les organes vitaux, donc de tuer, et cela pour des raisons économiques. On peut estimer peut-être qu'il y a 10% de gladiateurs qui meurent dans l'arène. On est très loin de l'image systématique de la mort qui est donnée à chaque fois. C'est finalement logique, puisque offrir un spectacle de gladiateurs, ça coûte terriblement cher. Donc on ne va pas sacrifier un capital sur lequel on a investi des mois et des mois d'entraînement. Donc c'est une vision tout à fait différente à la fois de la gladiature et donc du monde romain que l'on peut avoir par cette approche-là. C'est comme si, aujourd'hui, un patron d'équipe de football décidait de sacrifier son champion à la première défaite. Cela serait totalement incohérent. La mise à mort était donc très rare. Et ce n'est pas la seule erreur véhiculée par le cinéma. Exemple, le pouce tendu en bas pour la mort, en haut pour la vie. La source de cette erreur, la voici. C'est ce tableau, peint en 1872 par Jérôme. Donc c'est une mauvaise interprétation d'un peintre qui est reprise ensuite par les péplums italiens d'avant la guerre de 14, c'est loin, et ensuite par les péplums américains avec toute la puissance d'Hollywood qui fait que maintenant c'est plus évident pour le grand public que la mort c'est le pouce retourné et la vie c'est bon, c'est super. Autre geste qui n'apparaît absolument jamais dans les iconographies. Donc ce que l'on voit, c'est le pouce en direction d'eux. Je demande la mort, c'est le gladiateur qui va se mettre un genou à terre et qui reconnaît sa défaite, qui a lâché les armes par terre et qui demande la mort. Voilà tout ce que nos chercheurs ont découvert grâce à leur méthode d'expérimentation. Et ils poussent le vice encore plus loin. Ils n'hésitent pas à faire appel aux spécialistes de l'Europe entière pour la création de leur équipement.
tout est fait comme à l'époque. Résultat, ils sont de plus en plus proches des gladiateurs de l'Antiquité. Alors, à quand une fédération sportive de gladiature? Persévérate et continuez! Et voilà comment on apprend que le monde des gladiateurs n'a en fait rien à voir avec l'image que nous renvoie comme ça régulièrement le cinéma, cette image sanguinaire. Au contraire, il s'agit d'un sport très rigoureux, pratiqué par des sportifs de haut niveau. L'équipement aussi qu'ils utilisaient était établi avec énormément de précision. Ah ah ! Je vous propose de revenir en France avec les armures de nos chevaliers. Que vous êtes beau, Jérôme, comme ça. Je vous présente Messire Christophe d'Argère. Bonjour. Messire, là, ce que vous portez, c'est plutôt 11e siècle, hein? Oui, tout à fait, oui. Il n'y avait que des cols de maille à l'époque? Oui, pas de plaque. Et la mienne? Fin du 14e. C'était au 14e siècle seulement qu'on a fait ça. Ça protège de quoi, vous, votre cotte de maille? Le tranchant, le piquant. Tandis que moi? Un peu tout, même le contondant. D'accord. Je vais vous demander, asseyez-vous, messieurs, je vous en prie. Vous avez l'air un peu raide, hein, Jérôme? Oui, c'est un petit peu raide. Et d'ailleurs, j'ai du mal à enlever le casque. Je vais vous aider. Jean de Damoiseau et Glantine, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ouh! Ah. C'est un peu lourd, quand même, ce genre de casque, non, à porter? Bah, en fait, contrairement à ce qu'on croit, non, c'est pas très très lourd. Enfin, quand même. Ça fait un peu, à partir de 2 kilos. Après, il y a des casques qui sont plus lourds, mais les casques standards sont à peu près autour de 2-3 kilos. Non, c'est supportable, c'est supportable. Ce qui m'a frappé également, Christophe, c'est l'épée. Je croyais que ça ne pouvait se soulever qu'à deux mains, que c'était immensément lourd. Combien est-ce qu'elle pèse, celle-là? Bah, celle-ci, c'est une épée à une main et ça pèse à peu près 1,5 kg. Et c'était la réplique de l'époque? C'est la réplique de l'époque. Tout à fait, oui. Oh, dites donc, c'est impressionnant. Alors, vous êtes spécialiste du Moyen-Âge, vous en avez fait un métier? Oui, spécialiste, ça fait 15 ans que je fais de la reconstitution et je suis passionné depuis tout petit. Donc, spécialiste, je sais pas, mais je connais un peu. Il y en a beaucoup des passionnés comme ça qui travaillent avec vous? Bah, en France, il faut compter à peu près 400 troupes qui font que de la reconstitution moyenâgeuse. Alors, kilos, ça muscle le cou quand même. On a vu qu'il y a Moyen-Âge et Moyen-Âge. 11e siècle, somme en la côte de maille. 14e siècle, ensuite, les armures. Les plaques d'armure, oui. Ça protégeait vraiment? Oui, enfin, après, si vous prenez ce type d'arme-là, lancée ça doit faire mal, avec le bras, vous avez beau avoir des plaques d'armure ou un gros casque, ça va quand même faire du dégât. Ça, c'est assez impressionnant, c'est une masse d'armes. Tout à fait. Alors ça, c'est quoi exactement? C'est bien lourd aussi, on dirait un manche de fusil, je ne sais pas ce que c'est. Ben, en fait, c'est effectivement ça, c'est le premier, ce qu'on peut appeler fusil, ça date de la fin du 14e siècle, ça s'appelle un trait à poudre. Et c'est la première arme, effectivement, à feu qui a existé enfin, au Moyen-Âge. Alors là, on met quel genre de projectile? Alors d'abord, on va mettre de la poudre, on va mettre de la bourre, on va bien tasser. Et puis après, on va mettre... La bourre, c'est du coton, c'est du tissu. Oui, du chanvre, du coton au Moyen-Âge jusqu'à la fin. Non, pardon. Pas trop, mais et plutôt du chanvre, du lin, enfin ce genre de choses. Et après? Après, on va mettre soit de la grenaille, donc des graviers, des petits bouts de métal, ce genre de choses, soit une bille en pierre ou en métal. Et ensuite, ce petit trou-là? Voilà, on remet un petit peu de poudre dans ce petit trou pour qu'elle aille faire contact avec la poudre à l'intérieur du canon. On boute le feu, d'où le terme bout de feu, on boute le feu. Et là, ça part. Et normalement, si vous avez de la chance, le canon n'explose pas. Ah oui, c'est ça, ça peut m'exploser moi entre les mains. Bon, ça arrivait, faut savoir que là, c'est une réplique, donc elle est faite en acier moderne. À l'époque, ils avaient quand même des qualités d'acier moindres. Donc, il y avait des possibilités d'explosion. Mais c'était quand même de bons forgerons, donc c'était assez rare. Et tous ces casques, ils ont vraiment existé? C'est pas de l'image d'Épinal, encore une pas fois? Pas du tout. Tout ça, c'est pas de l'invention des cinéastes et des dessinateurs? Non, pas du tout. Alors là, et encore, c'est qu'une partie des casques. Parce qu'il faut savoir que le Moyen-Âge, c'est à peu près 10 siècles, du 5e au 15e pour schématiser. Là, les casques que j'ai amenés, c'est à peu près du 11e siècle au 15e siècle. Ça, on utilisait vraiment ceci? Ça, c'est un casque qu'on appelle bassinet à mésailles ou bec de passereau. Qui est très connu parce qu'on le voit souvent dans les films de chevaliers. Ah oui. Et il arrive surtout au début du 14e. Une fois. Vous donnez des coups de tête avec ça. Boum. Encore une fois, tous les coups sont bons. C'est justement, c'est déséquilibré, mais parce que l'ensemble, une fois qu'on porte le casque, l'armure, la tenue, la cotte de maille, ça pèse combien ça? Au total, l'équipement à peu près, quelles que soient les époques, ça va entre 20, 30, 35 kilos. C'est pas très très lourd. C'est lourd pour nous, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était des gens entraînés, qui avaient l'habitude du combat. Donc pour eux, c'était pas grand chose. La légende du chevalier en armure qui tombe et qui peut pas se relever, c'est que c'est faux, parce que les armures étaient taillées pour qu'ils puissent justement bouger avec. Jérôme, vous avez du sport à faire. Enfin quand même, là, l'armure est abandonnée à peu près après Azincourt, au 15e, 16e siècle. Celle-là, par exemple, elle est quand même beaucoup plus lourde que celle que nous portons. En fait, celle-ci, poids pesé, elle fait 30 kilos. 30 kilos. Donc, c'est pas énormément. Il faut savoir que plus on rajoute des plaques de métal, plus on va enlever de la cotte de maille. Alors, par exemple, ils avaient vraiment des chaussures comme ça? À quoi ça sert d'avoir des bouts pointus? Alors ça, c'était la mode?
Alors déjà, c'était une mode, effectivement. Ah oui. Au niveau des chaussures, plus on avait à l'époque, au 15e siècle, les chaussures pointues, plus c'était à la mode. Mais là, il y a une autre utilité. Cette partie-là qu'on appelle le solerait, donc qui protège les pieds des coups. Je le montre, hein, du bout du pied. Est terminée, en fait, par un bout qu'on appelle poulaine, qui peut s'enlever. Et quand on est à cheval, ça permet de bien garder l'étrier. Ah, de pas les perdre. Exactement. Vous faites les fiers comme ça, mais tout à l'heure vous parliez de la bataille d'Azincourt. Mais sire, c'est quand même une bataille qui a causé notre perte. Parce qu'à cause du poids, justement, les Français étaient trop lourds. Archers anglais nous ont décimés. Hein, ça a signé la fin de ces armures. C'est pas tellement à cause du poids. A priori, lors d'Azincourt, on était dans un bourbi. Voilà, on avait de mauvais généraux. Il y avait de la boue par terre. On n'a pas pu dormir au sol. On est resté à cheval. On était crevé le matin dès qu'on était au sol. C'est vrai qu'on s'est embourbé. Mais les Anglais n'ont pas respecté les codes de la guerre. Cette bataille, c'était en 1415. Après, on a encore utilisé ce genre d'armure? Ça, c'est une armure qui va arriver à partir de 1450, c'est-à-dire la fin du 15e siècle. Donc l'armure va encore être utilisée pendant un siècle, un peu plus. Je ne vous remercie pas, Églantine, d'avoir rappelé Azincourt, qui reste une triste date dans le mémoire de chevalier, n'est-ce pas, Christophe? Merci, Christophe Dergère. On a vu comment la science peut faire renaître notre passé grâce à des techniques très spectaculaires. Mais il y a aussi le lent travail en laboratoire. Nous allons faire maintenant un énorme bond en arrière. On va suivre l'enquête palpitante de scientifiques pour découvrir pourquoi le fameux Otzi, vous savez, Hibernatus, pourquoi il est mort il y a plus de 5000 ans. Alors, cette momie découverte en 91 dans les montagnes autrichiennes, parfaitement conservée par un glacier, n'en finit pas de livrer tous ses secrets aux scientifiques. On connaît déjà la composition du dernier repas d'Otzi. On connaît son âge, ses vêtements, les maladies dont il a souffert. On sait même dans quelle région il vivait et on vient d'étudier les tatouages qui ornent sa peau. Malgré tout, il reste un dernier mystère sur lequel butent les scientifiques, les raisons exactes de sa mort. Reportage de Vincent Châtelain. Nous sommes dans les Alpes, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. C'est ici qu'en 1991, deux marcheurs ont fait une découverte exceptionnelle. Pris dans les glaces, à plus de 3200 mètres d'altitude, ce que les randonneurs pensaient être le corps d'un alpiniste est en fait le cadavre parfaitement conservé du plus ancien être humain momifié jamais retrouvé. Qui était cet homme? Que faisait-il à cet endroit? De quoi est-il mort? Que nous permet-il d'apprendre sur son époque? Les scientifiques mènent l'enquête depuis plus de 14 ans. Cet homme, on l'a surnommé Otzi, l'homme des glaces. Il a plus de 5300 ans. Mais qui était Otzi? On a retrouvé à côté du cadavre des fragments de vêtements et toutes sortes d'objets qui lui ont appartenu. Une découverte unique dans l'histoire de l'archéologie. Des informations qui nous donnent une idée sur son apparence physique, mais aussi sur son équipement. Et voici le fruit de leur travail. Une reconstitution de l'homme des glaces en images de synthèse. Pour obtenir ce résultat, la communauté scientifique étudie la momie sous toutes ses coutures, son corps, mais aussi les objets que l'on a retrouvés à ses côtés. Ce sont autant d'indices pour résoudre l'enquête archéologique la plus passionnante de ces 14 dernières années. Pour comprendre l'incroyable importance de cette découverte, nous retrouvons Jean-Pierre Mohen au Musée des Antiquités Nationales. Pour la première fois, on peut imaginer comment ces gens-là vivaient. Et il semble bien que tout ce qu'on a trouvé sur Otzi puisse être en grande partie généralisé. Pour découvrir les indices laissés par l'homme des glaces, direction Bolzano, une petite ville d'Italie à la frontière autrichienne. Ici, on a consacré tout un musée à Otzi, un musée où l'on expose notamment ses vêtements uniques au monde. Mais que nous apprennent-ils? Eh bien, Otzi avait des vêtements qui étaient complètement adaptés au grand froid. Son grand manteau en herbe sèche, c'est aussi exceptionnel. Il s'en servait à la fois pour se protéger contre la neige, hein, et les intempéries, le froid, mais quand il dormait le soir, eh bien, il l'utilisait comme une sorte de matelas. C'était suffisamment épais et il s'enroulait dedans et c'était presque le vêtement idéal, au fond, pour affronter les intempéries de la haute montagne. Parmi ses vêtements, il y a ses chaussons avec donc une enveloppe en cuir, des lacets, etc. Et puis à l'intérieur, un bourrage d'herbes séchées pour lui tenir chaud. Ce sont les plus vieilles chaussures de l'humanité. Mais qui était ce personnage si bien adapté à son environnement? La réponse peut venir des objets retrouvés autour de lui. Il y en a plus de 40 en tout. De quoi dresser son portrait robot. Il avait une hotte. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Et on s'est dit, bon, il est dans un passage des Alpes,
entre l'Italie du Nord et puis l'Autriche, là, les vallées autrichiennes, il était peut-être un passeur. C'est-à-dire, il passait fait un certain nombre d'objets, des objets rares, des pierres, mais aussi du cuivre, mais aussi d'autres ingrédients dont on avait besoin d'un groupe à l'autre. Alors, Ozi était-il un passeur ou un chef tribal, si l'on en croit les tatouages qui ornent son corps? Il y en a 18, répartis sur les jambes et sur le dos. Nous nous rendons en Suède, à l'université de Stockholm, car c'est ici qu'un scientifique les a étudiés. Le voici. Son nom, Thorstein Sjöwald. Ce sont les plus vieux tatouages trouvés sur un corps humain. Ce ne sont pas des tatouages pour faire joli, mais des tatouages thérapeutiques. Ils ont probablement servi à soigner des maladies ou bien des douleurs. Pour faire ces tatouages, des guérisseurs, des chamans entaillaient la peau avec un silex et déversaient du charbon de bois dans la plaie pour colorer l'intérieur de la chair. Objectif, soigner les maladies dont souffrait Ozi, comme l'arthrose. Mais le plus important, c'est l'emplacement de ces tatouages. Plusieurs d'entre eux sont appliqués le long des méridiens utilisés pour l'acupuncture. Certains sont carrément appliqués sur les points importants de cette médecine ancestrale. Incroyable! Une forme d'acupuncture serait donc née en Europe 1000 ans avant son apparition en Asie. Autre information capitale sur l'homme des glaces, son âge. Et là, c'est grâce à l'observation de ses os que le professeur Sjöwald a enfin pu le déterminer. Nous avons étudié une petite section d'un millimètre carré du fémur de l'homme des glaces. En effet, il suffit d'observer la taille des structures circulaires microscopiques des os pour connaître l'âge d'un homme. En utilisant cette technique, on a découvert qu'il avait entre 40 et 50 ans quand il est mort. Le jour de sa mort, Ozi avait donc environ 45 ans. Il pesait 45 kilos pour 1,58 m. Son histoire se déroule peu à peu devant nos yeux. Mais comment est-il mort? Sommes-nous en présence du plus ancien meurtre connu non élucidé? Ce qui est sûr, c'est qu'Ozi a été secoué par des émotions violentes quelque temps avant sa mort. Mais comment le sait-on? Il y a des marques transversales sur un de ses ongles de main. Ces lignes indiquent qu'il a vécu des grandes périodes de stress, une semaine ou un mois avant sa mort. Quelle pouvait donc être la raison de ce stress? Il a clairement eu des problèmes avec des ennemis. D'ailleurs, il a été touché par une flèche. En effet, en août 2001, une radio a permis de distinguer une pointe de flèche dans l'omoplate gauche d'Ozi. Voici une reproduction de cette flèche avec sa pointe en silex. La blessure est grave. Mais pourquoi Ozi a-t-il été attaqué? A-t-il été traqué par une bande de pillards attirés par la richesse de son équipement? Les scientifiques tentent de résoudre une véritable enquête criminelle. Ce que l'on sait, c'est que l'homme a réussi à échapper à ses poursuivants. Apparemment, il a réussi à échapper à ses poursuivants. Il a grimpé jusqu'à l'altitude de 3212 mètres. J'ai moi-même fait ce parcours. Je ne le recommande à personne, car c'est très dangereux. Et d'ailleurs, les poursuivants d'Ozi ont perdu sa trace. Mais lui savait où il allait. Il connaissait bien la montagne. Oui, mais voilà. Le temps devient très mauvais, sa blessure l'affaiblit et il a terriblement faim. 5300 ans après sa mort, une analyse de ses intestins a démontré qu'il avait mangé quelques céréales et de la viande de bouquetin séchée 8 heures avant de mourir. Les dernières provisions de cet homme traqué étaient bien maigres, une raison de plus pour ne pas résister au froid, ce que vient confirmer une autre donnée. Il n'y a aucune trace d'insecte sur le corps d'Ozi. Il a donc été recouvert très rapidement par une chute de neige. Et en raison de la baisse soudaine des températures, Ozi est mort congelé sur place. Ozi, un homme blessé dont le froid aura eu raison. Une température glaciale accompagnée d'importantes chutes de neige, ce qui a permis sa conservation exceptionnelle. Aujourd'hui, le corps d'Ozi repose au musée de Bolzano dans un caisson frigorifique placé sous haute surveillance. À l'intérieur, on a reproduit les conditions du glacier dans lequel il a été prisonnier pendant plus de 50 siècles. Une température de moins 6 degrés et un taux d'humidité de plus de 96%.
Ici, Audi ne court plus aucun risque. Son caisson a été totalement décontaminé et seuls quelques scientifiques sont habilités à y pénétrer. Des mesures de sécurité extrêmes pour garantir l'état de conservation du corps. Car Audi n'a pas encore livré tous ses secrets. Il est pour l'instant le seul à pouvoir nous renseigner sur notre propre histoire. Voilà, vous avez vu, on ne sait toujours pas très exactement comment Audi est mort, mais c'est quand même incroyable tout ce que cette momie nous a déjà permis d'apprendre sur les hommes de cette époque. Alors pour en savoir plus sur ces momies, nous avons invité Eric Krubozy, anthropologue. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez déjà travaillé sur des momies en Égypte, là vous revenez tout juste de Sibérie, vous travaillez sur d'autres types de momies. J'imagine que c'est un rêve pour vous de découvrir une momie comme Audi, comme ça. Comme Audi, oui, ce serait un rêve parce que c'est la plus vieille momie connue au monde. Et effectivement, tous les anthropologues recherchent des momies et elles sont rarement aussi anciennes. Il y a une grande différence entre cette momie, entre Ozi, les égyptiennes, les sibériennes que vous étudiez actuellement. Oui, parce que donc on a en gros deux types de momies. Les momies sèches que l'on retrouve en Égypte, qui en fait sont des corps qui ont été desséchés dans le sable. Et d'autre part, les momies sibériennes ou les momies comme Ozi, qui ont été prises dans la glace. Comment est-ce qu'un corps se momifie naturellement ? Dans des milieux très chauds ou dans des milieux très froids, on a, et avec peu d'humidité, on a toujours une momification qui va être différente suivant les endroits. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en a trouvé le plus ? On en a trouvé autant dans ces endroits secs que... En Égypte, on en a trouvé énormément parce qu'il y a eu beaucoup de recherches. Dans les Andes, parce que ce sont aussi des endroits très secs. Mais actuellement, on en découvre beaucoup aussi en Chine, dans le désert du Taklamakan. Et on commence à en découvrir beaucoup en Sibérie, dans des endroits qui sont effectivement très froids, puisqu'en Yakoutie, il fait moins 50 degrés l'hiver. Ça congèle, hein. Et en France, c'est chez nous. On pourra en trouver, les momies ? Je pense que l'endroit où on aurait le plus de chances d'en trouver, ce sont dans les tourbières, et peut-être dans les tourbières de la Somme, dans le nord de la France. Mais c'est humide. On a des... Ce qui est important dans une tourbière, c'est que le milieu, là aussi, reste constant, très humide. Et donc, il y a eu beaucoup de corps momifiés qui ont été trouvés au Danemark. Certains ont été trouvés plus rares en Angleterre, dans certaines tourbières. Et quand on regarde en fait l'environnement immédiat, on pourrait peut-être en trouver dans des tourbières en France. Alors là, en ce moment, vous participez à des fouilles en Sibérie. Vous avez déjà trouvé quelque chose ? Nous avons fouillé actuellement une trentaine de corps gelés. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent ? Ce qu'ils nous apprennent, c'est d'une part, premièrement, comment étaient inhumés ces sujets à l'époque médiévale, voire avant. Et d'autre part, comment ils vivaient, c'est-à-dire quelles étaient leurs maladies, notamment, qu'est-ce qu'ils mangeaient parfois avant de mourir, quels étaient les médicaments qu'on pouvait leur appliquer avant le décès. Et ensuite, ils nous apprennent beaucoup sur l'évolution des peuples de cette région, d'où ils venaient notamment. Mais une fois que vous avez fini de les étudier, vous en faites quoi ? Alors une fois que nous avons fini de les étudier, nous prélevons, si vous voulez, les éléments qui sont indispensables aux analyses, et bien souvent, ils sont réinhumés. D'accord. Ah oui, vous les remettez en place. Et dans le cas d'Ozi, par exemple, vous pensez que vraiment, force d'étudier cette momie, on saura pourquoi et comment il est mort ? C'est possible, ça ? On peut décrire des faits, dire qu'il y avait une pointe de flèche, etc. La cause, ensuite, qui a lancé la flèche, etc. Ça, c'est de l'ordre de l'imagination, ça fait rêver. Eric Krubozy, merci. Merci à vous et à tous ces scientifiques qui nous permettent d'en apprendre autant sur notre passé, sur l'architecture, sur nos modes de vie, les modes de vie de nos ancêtres en tout cas, et surtout ceux qui remettent en cause nos idées reçues. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la science et à l'histoire. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous et à bientôt. Très bon week-end, à très bientôt. Merci, au revoir Jérôme. Merci, au revoir.